Les couleurs du patrimoine, une émission de Evelyne Thomas. Bienvenue dans Les couleurs du patrimoine, où nous parlerons aujourd'hui peinture, en compagnie de mon invitée Sabine de Freitas, qui est restauratrice en peinture. Bonjour. Bonjour Evelyne. Merci d'être venue à nos studios pour évoquer la peinture, la restauration de peinture. Alors, vous avez un atelier à Chenonceau, c'est bien ça ? Tout à fait, oui, à Chenonceau. Qui s'appelle ? L'atelier du passé-présent. L'atelier du passé-présent, un joli titre. On le trouve facilement, cet atelier ? Oui, on le trouve assez facilement puisque le bourg est petit. C'est dans le centre. Voilà, c'est un petit peu décalé du centre. Mais bon, on le trouve surtout sur les chantiers. Oui, parce que en fait, vous n'êtes pas restauratrice de tableaux, mais plutôt de peinture murale, c'est bien ça ? Tout à fait, c'est ma spécialité, oui. Donc vous ne travaillez pas dans votre atelier ? Très rarement, sauf exception. Voilà. Alors comment devient-on restauratrice de peinture ? Alors, vous avez eu cette idée très jeune ? Oui, très jeune. En fait, j'ai voulu travailler pour le patrimoine, pour sa sauvegarde, très jeune. J'étais promenée par mon papa, qui était photographe amateur, sur la région parisienne. Et il aimait entrer dans les arrière-cours des immeubles parisiens. Et donc, il m'a fait visiter ce petit patrimoine et les grands, les plus grands. Et notamment, à 12 ans, il m'a fait entrer dans la basilique Saint-Denis. Et ce jour-là, j'ai décidé que je ferais un métier lié à la sauvegarde vraiment du patrimoine. Quelle merveilleuse formation. Oui, tout à fait, oui. Et ensuite, vous avez suivi des écoles ? Alors oui, alors après avoir passé un baccalauréat, lettres et arts, je me suis dirigée vers l'école du Louvre, en histoire de l'art, et où j'ai pris en spécialité archéologie chrétienne et peinture décorative. Ce qui vous amène à travailler sur les peintures des églises. Il y a souvent des peintures dans les églises. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, j'ai eu la chance de commencer d'abord mon métier de restauratrice au château de Chenonceau. Oh, c'est un bon début. Voilà, c'est pour ça que j'ai quitté Paris et je n'y suis pas retournée. Je suis tombée amoureuse de la région. On vous comprend. Voilà. Et puis, en fait, et de Chenonceau d'ailleurs. Et donc, je travaille énormément dans les églises, les châteaux et des plus petits patrimoines. Mais il y a énormément, surtout en région de Touraine, il y a énormément de peintures murales, en fait. Et vous avez appris aussi auprès de maîtres restaurateurs ? Tout à fait. J'ai eu la chance de travailler 8 ans pour un spécialiste de la peinture murale qui est basé sur Blois, Monsieur Moulinier. Ah oui. Et voilà, et qui m'a appris les techniques de restauration liées vraiment à la peinture murale. Et c'est ce qui m'a passionnée. Parce que c'est déjà, il y a peu de spécialistes peinture murale en France, et c'est un métier qui est lié à l'architecture, au bâti, et donc c'est extrêmement riche en fait au niveau connaissance. On doit beaucoup apprendre sur et l'architecture et l'ornementation, et beaucoup aussi en iconographie. Moi, ça me passionne en fait. Je suis une passionnée d'iconographie maintenant. Savoir ce que représentent les scènes, les sujets, complètement. Les décrypter. Ah oui, vraiment, vraiment. Trouver les saints justement grâce à leurs attributs. Ce genre de choses, c'est devenu une passion. Identifier un personnage. Tout à fait. Et une époque, d'ailleurs. Voilà. Et alors, les techniques sont très différentes en fonction des lieux, en fonction du temps ? Ah oui, tout à fait. Alors, nous pouvons travailler sur des périodes très anciennes et en fin de compte, des techniques très solides. Ça va être la fresque, la technique à fresque donc, qui consiste à poser des pigments dans un enduit frais. Donc l'enduit en séchant emprisonne ces pigments, il se forme une couche de calcaire et donc ça devient dur comme de la pierre. Donc ce sont des techniques que j'ai pu restaurer, des fresques du 9e siècle et j'ai pu aussi restaurer donc des fresques du 11e, 12e. Ensuite, il y a les techniques de peinture à la détrempe. Qu'est-ce que c'est ? Alors la peinture à la détrempe, en fait, c'est un pigment qui est posé à sec, donc une fois que l'enduit est sec, et qui est lié en fait avec un liant organique. Donc on va trouver dans les détrempes, on va trouver la tempéra qui est le liant à l'œuf, on va trouver des liants caséine, des liants col de peau par exemple, et puis des liants un peu plus après récents à base d'huile. Et ces techniques à sec sont arrivées après ? Après, voilà. À partir du XIIIe siècle, en fait, on commence à trouver des techniques à mezzo fresco, c'est-à-dire que les décors étaient commencés à fresque et terminés à sec, manque de temps, en fait, puisqu'il fallait travailler en giornata. Il faut savoir qu'en fresque, on fait à peu près, en une journée, on fait 80 cm² à peu près.
Voilà. Donc les techniques à sec sont tombées à point, on va dire, pour les artistes. Par contre, ce sont des techniques qui sont beaucoup moins pérennes. Vous avez commencé votre carrière à Chenonceau, vous disiez, dans cette introduction. Vous avez travaillé sur quoi à Chenonceau ? Alors j'ai eu la chance de travailler sur les plafonds et les cheminées, donc plafonds, corniches. J'ai eu cette chance parce qu'en fait à la sortie justement de l'école du Louvre, j'étais suivie par les propriétaires du château qui étaient clients de ma maman coiffeuse. Donc ils m'ont suivie de toute petite et en fait ils sont vraiment devenus mes mécènes. C'est-à-dire que quand j'ai fini mes études, ils m'ont dit « on a un petit château à restaurer en Touraine et voulez-vous venir voir ce qui se passe ?» Donc j'ai dit oui et j'ai eu la chance donc, de travailler 2 ans sur ces plafonds. Seule, vous vous êtes lancée comme premier chantier sur les plafonds. Oui, comme premier chantier, oui. C'est extraordinaire. Oui, j'ai eu la chance vraiment qu'on m'ait fait une confiance extrême. Oui. Alors ensuite, vous avez travaillé sur quel chantier ? Vous pouvez nous en raconter quelques-uns ? Ah oui, alors justement, je parlais des fresques. J'ai eu la chance de travailler donc avec M. Moulinier sur les fresques de la vallée du Loir. Donc toutes ces petites églises comme Saint-Jacques-des-Guérets, notamment, qui est une église assez connue par ses fresques monumentales. Donc toutes ces petites églises, Huisseau-en-Beauce, Bonnevaux. J'ai travaillé au château de Blois aussi. Nous avons eu 5 ans de restauration. Nous étions 2 ateliers, 30. Il y avait 3000 mètres carrés de peinture à restaurer. Donc 50 chantiers. Et là, vous n'étiez pas seule. Non, pas seule. Et j'ai travaillé sur le château de Durtal, donc un petit peu plus dans le Maine-et-Loire, avec M. Moulinier. Et puis depuis, et beaucoup d'églises et de lieux moins connus. Et depuis que je travaille seule, à nouveau, puisque j'ai travaillé seule, je suis allée avec M. Moulinier, je suis à nouveau à mon compte depuis 4 ans. Et donc j'ai travaillé sur des peintures comme un ancien prieuré qui est proche de Beaugé. Donc pas très loin de Saumur, où j'ai eu la chance aussi de restaurer des peintures murales du 15e siècle. Et alors là, c'était exceptionnel, puisque en peinture murale, on a beaucoup de supports en fait. On peut se retrouver sur des supports d'enduit, des supports de pierre, de bois, de torchis. Et moi, j'ai eu la chance sur ce chantier-là de travailler sur tous ces supports. C'était très varié. Très varié, voilà. Il y avait la cheminée et les ébrasements en pierre. Il y avait un mur à pan de bois. Donc, j'ai travaillé sur le bois, le torchis. Les solives étaient peintes aussi. Et le reste des murs était en enduit. Donc, c'était un très, très beau chantier. Ce sont les propriétaires qui vous avaient demandé de venir, qui étaient tombés amoureux de cette maison ? Voilà. Ça a été un achat coup de cœur. Ils sont passés devant. Ils se sont arrêtés, il y avait justement une visite, le manoir était à vendre. Et quand ils sont entrés, ils ont cassé la visite, on dira. Et en fait, ils ont dit qu'ils achetaient. Voilà, c'était vraiment... Et c'était une ruine, hein. Donc je trouve que c'est vraiment une très belle histoire. Ce sont les peintures qui les ont incités à acheter ? Alors le manoir, l'ancien prieuré vu de la route. Et effectivement, quand ils ont vu qu'il y avait des traces cachées sous des badigeons de peinture, ils ont dit « allez, on se lance ». Qu'est-ce que vous avez fait comme découverte dans ce manoir ? Alors, ce qui était exceptionnel, c'est que sous ces peintures, on a découvert des décors donc, qui étaient typiques de l'époque du roi René d'Anjou, donc le bon roi Henri, bon roi René. Et ces décors donc, sont beaucoup à motifs floraux. Et il y a aussi des grandes figures de saints. Donc, ça devait être la pièce de réception du prieur. Donc, on a trouvé un Saint-Pierre, une Sainte-Marguerite protectrice. Il y a aussi une magnifique crucifixion avec un Saint-Jean et une Vierge Marie éplorée au pied de la croix. Il y a un grand Saint-Christophe et puis une sainte que nous pensons être Sainte-Barbe. Avec une tour. Voilà, mais la tour est tellement ruinée, il y a quelques traces. Donc je pense quand même que nous étions face à Sainte-Barbe. Vous parliez de motifs floraux. Au temps de René d'Anjou, il y a beaucoup de motifs floraux sur un peu tous les supports, pas seulement dans la peinture. On retrouve ça dans tous les arts. Ah oui, complètement. C'est vraiment l'apogée, je dirais. En fait, le jardin rentre dans la maison. Je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé à cette époque. Et le roi René était très friand de ce type de décor. Avec des choses très fines, des petites fleurs très Ah oui, très oui, les tiges vraiment travaillées en rinceaux, des feuilles et des fleurs très fines, de type pâquerette, petite marguerite, enfin c'était vraiment œillets, beaucoup d'œillets, donc des choses très fines, oui.
Et puis, vous avez fait d'autres chantiers. Alors, on parlait tout à l'heure d'église, mais vous allez parfois dans d'autres endroits. Vous avez, je crois, restauré les peintures d'une maison close. Tout à fait. Ça change de Alors raison, là, c'est très insolite. Tout à fait, oui. Et alors, j'ai fait une première partie l'année dernière. Et là, je suis à nouveau donc, sur une deuxième tranche de travaux. Il faut la citer. C'est l'Étoile Bleue. C'est l'Étoile Bleue à Tours, tout à fait. L'Étoile Bleue à Tours. Cette maison qui est très connue, en fin de compte, des Tourangeaux. Oui. Puisqu'il y a eu, dans les années 80, tout un plan de sauvegarde. Les Tourangeaux se sont ligués contre la destruction de ce lieu. Ont signé des pétitions. Enfin, c'est un lieu emblématique de Tours, tout à fait. Et oui, les Tourangeaux se sont vraiment mobilisés pour défendre leur patrimoine. Ah oui, complètement, oui. Mais je trouve que les Tourangeaux sont très attachés. On le ressent vraiment beaucoup à leur patrimoine. Alors nous allons continuer sur cette maison de l'Étoile Bleue après une pause musicale où nous allons entendre Pascal Boquet nous jouer du luth. Couleurs du patrimoine, une émission de Evelyne Thomas. Dans les couleurs du patrimoine, je reçois aujourd'hui Sabine de Freitas, restauratrice de peinture, qui a son atelier à Chenonceau, en Touraine, l'atelier passé présent à Chenonceau. Et Sabine, vous nous parliez avant la pause musicale de cette passion que vous avez pour la restauration de peinture. Vous avez commencé à Chenonceau, excusez du peu. Vous avez travaillé seule, vous êtes lancée sur les plafonds, les solives, les poutres de Chenonceau. Et puis vous avez été amenée à travailler avec Monsieur Molinier dans des églises. Maintenant vous êtes seule, lancée. Et vous travaillez aussi, vous nous avez raconté l'histoire de cette belle rencontre dans un prieuré du Maine-et-Loire. Et juste avant la pause musicale, on parlait d'un autre chantier, une ancienne maison close, l'Étoile Bleue à Tours. Alors vous avez fait une première tranche de restauration dans cet établissement. Ça consistait en quoi ? Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait j'ai démarré surtout sur une dérestauration, puisque ces peintures donc, qui ont été effectuées dans les années 1930 un dessinateur assez connu de la région tourangelle qui s'appelait Jacquemin, faites à la détrempe, à la colle de peau, en fait, ont été restaurées, entre guillemets, dirais-je, deux fois, une fois dans les années 80 et une deuxième fois en 2001. Et malheureusement, la première restauration des années 80 a consisté à appliquer de la peinture vinyle par-dessus les décors. Donc il a fallu faire sur... C'est pour ça que j'ai travaillé vraiment sur la première tranche sur un seul panneau. Il y a 5 panneaux dans la maison close. Et il a fallu que je dérestaure complètement, que j'enlève le vinyle. Sans enlever le reste. Sans enlever le reste. Et ce qui a été très compliqué, c'est qu'en fait, la personne qui avait repeint avait... arracher les décors en dessous, avait gratté en fait, parce que ce n'était pas quelqu'un qui savait restaurer. Donc c'était une étape assez délicate et on a eu la chance de retrouver, grâce en fait
à des photographies, à des clichés des années 80. On a réussi à retrouver donc le décor, et donc j'ai pu refaire une reconstitution historique, donc en agrandissant la photo et en la réappliquant sur le mur au quadrillage pour pouvoir reprendre tout ce motif. Ça a été assez compliqué. Et puis là, donc je suis sur la deuxième tranche de travaux depuis 2 semaines à peu près, et donc je dérestaure aussi, puisque la deuxième tranche de travaux a été restaurée par un restaurateur de peintres de chevalet, qui est un excellent restaurateur de peinture de chevalet. Et malheureusement, la peinture de chevalet et la peinture murale n'ont pas les mêmes pathologies. Donc, oui. Ces restaurations ont aussi été mal supportées par les murs. Il a notamment tout reverni, donc je suis obligée de dévernir. Et puis, il a posé des pigments qui se sont oxydés, donc qui ont viré. Donc les bleus ont viré jaune notamment. On commence par défaire avant de restaurer. Alors cette première tranche que vous avez restaurée, quelles étaient les représentations peintes ? Alors, vous disiez que vous vous intéressiez à l'iconologie, à l'iconographie. Voilà. Alors on est sur un décor qui est très amusant, c'est qu'on a une grande pièce donc, qui est le salon, où en fait on a des décors naïfs, je dirais de grandes femmes nues avec des lévriers qui courent. Et puis on a donc dans cette deuxième petite pièce, un petit salon intime, il y a des décors beaucoup plus osés, mais qui pour le coup sont tirés de livres. Donc on est presque dans un salon littéraire dans ce petit salon, sauf que donc, les scènes, celles-ci notamment, étaient tirées du Decameron de Boccace, donc un livre du Moyen-Âge italien, et qui en fait raconte les vices et les vertus en plusieurs journées. Alors il est évident qu'on est tombé sur une journée de vices. Voilà. Avec un prétexte littéraire. Tout à fait. Et donc les deux autres petites scénettes d'ailleurs de ce salon sont tirées des Contes de Canterbury. Donc on est aussi sur une scène très osée. Donc celle des Contes de Canterbury, ce sont des faunes qui courent après de jeunes vierges et évidemment les violent. Et sur l'autre scène, donc tirée du Decameron de Boccace, c'est en fait une scène d'amants, maîtresses et mari, donc aussi très osée. Un contexte évidemment qui s'y prête. Complètement. Et je pense que cette pièce d'intimité qui servait surtout à faire passer des hommes d'un niveau social un peu plus élevé sans être vus du salon, puisque le salon servait de bar, ils pouvaient y passer pour aller dans les chambres. Je pense qu'on a travaillé un petit peu plus justement sur le sujet pour avoir un côté érudit, bien que très osé. Voilà. Et alors là, vous allez commencer une deuxième tranche de restauration. De quoi s'agit-il ? Oui, alors donc là, en fait, je dois surtout dévernir donc les panneaux, notamment du salon. Mais c'est un autre salon, c'est ça ? C'est le salon où il y a les peintures naïves, en fait, donc qui représentent des femmes et des lévriers, des femmes nues qui courent. Et donc là, il faut que je dévernisse. Enfin, j'ai déverni déjà et je dois reprendre. J'ai enlevé les repeints et je dois donc reprendre après avoir consolidé et fait quelques coulis, puisque le plâtre se décolle un petit peu. Je vais devoir retoucher avec des pigments qui, ce coup-ci, ne bougeront pas. Vous avez travaillé dans d'autres chantiers de la région récemment ? Oui, tout à fait. Je viens de terminer un magnifique chantier déjà dans le Loudanais. On n'est pas très loin, vraiment à la limite Touraine, au château de la Grande Jaille à Saint-Marsolles, où j'ai pu restaurer une magnifique cheminée du début 17e, sculptée, polychromée et dorée. Donc j'ai vraiment pris un grand plaisir à la restaurer, quelque chose d'assez exceptionnel qui a certainement été peinte au début du XVIIe siècle par des artistes florentins, donc un travail tout en finesse. Et puis je viens aussi de terminer la restauration en collaboration avec Corinne Tual, qui est fresquiste restauratrice, et Alessandro Cadena, qui est maçon du patrimoine, le chantier de la restauration de la Villa Rose à Saint-Aignan. Donc sous l'égide de Corinne Tual, et donc nous venons de terminer cette restauration. Pour laquelle vous avez eu un prix, je crois. Tout à fait. Vous allez recevoir incessamment. Voilà, tout à fait. Nous avons concouru au Geste d'Or, qui est un prix donc, qui ressemble un petit peu en fait, au label du meilleur ouvrier de France, mais qui, au lieu concerner un métier. Voilà, c'est un chantier. C'est un chantier plutôt qu'un chef-d'œuvre qu'on prime. Et donc, là, c'est ce chantier-là, avec un travail d'équipe, un respect de la déontologie,
un partage. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qu'on a fait tous les trois sur ce chantier. Et en quoi consistait-il, ce chantier ? Alors, ce chantier consistait à restaurer des sgraffitos à fresques, donc des années 20 qui ont été faits par des artistes florentins, on y revient. Ils sont venus beaucoup nous faire des merveilles en France. Et donc, ces fresques sont sur une façade de maison. Et cette façade de maison a subi évidemment les intempéries, des problèmes d'infiltration dus à une toiture terrasse qui avait été mal conçue. Et donc, il a fallu conserver, on a été obligé aussi de purger certaines zones, mais aussi conserver et faire des déposes. Donc, un travail extrêmement technique, justement très proche des techniques italiennes de restauration que j'affectionne particulièrement, puisqu'elles sont beaucoup plus naturelles, sans résine, on va dire, qu'en France. Donc, on a pu vraiment travailler là-dessus. Et on a eu 6 mois de chantier, donc ça a été assez énorme. Elle représente quoi, ces fresques donc de sgraffito, donc c'est un enduit qui est gratté. Elles sont déjà exceptionnelles et uniques en France puisqu'il y a 3 couches d'enduit gratté, ce qui est exceptionnel. On tombe en général sur 2 couches et elles représentent des corbeilles de fruits. Alors c'est typiquement art déco, mais avec vraiment une influence italienne. Donc vous allez voir des corbeilles de fruits, cornes d'abondance, des petits putti qui se promènent à demi nus mangeant des grappes de raisin par exemple, et une superbe femme allongée en ode justement à la vigne et au raisin. Donc sur les façades de cette maison. Peut-on les voir de la rue ou elles donnent sur une cour ? Complètement, on peut les voir de la rue, de la grande avenue qui est tout près de la place Wilson à Saint-Aignan. Et donc ce geste d'or, ce prix, nous l'avons reçu au Salon du patrimoine samedi dernier, le 8 novembre. Nous avons été très touchés de recevoir ce prix parce que c'est un petit peu une reconnaissance pour un long labeur, pour un chantier, mais pour aussi des années de travail. J'imagine, oui. Et vous avez d'autres projets actuellement ? Alors, il va falloir que je retourne faire un petit tour au château de Chenonceau, parce que j'ai fait des consolidations. En fait, j'ai posé des pansements sur les corniches de la chambre de Gabriel Destré. Et donc, ça fait bientôt 1 an. Donc, il va falloir passer à l'étape de conservation-restauration maintenant. Et puis, il y a plusieurs projets en cours, donc avec ma collaboratrice, justement, de création de sgraffito. Mais nous attendons les validations de devis pour pouvoir en parler. Bien sûr. On peut vous trouver dans votre atelier, vous y passez parfois ? Alors j'y suis de temps en temps, mais j'ai plutôt un blog qui permet de savoir où je suis. Oui, on peut donner toutes les coordonnées pour vous joindre. Alors tout à fait, c'est atelier du passé présent, donc tout attaché, .blogspot.com. Et sur ce blog, on sait un petit peu où je suis parce que j'ouvre mes chantiers, moi. Je suis très ouverte, suis pour le partage. Voilà, et au fur et à mesure de la restauration, on peut voir les images. On peut voir les images des chantiers. Je montre vraiment mon travail étape par étape. Et puis, on peut essayer de venir frapper à la porte du chantier, sans problème. Vous donnez des conseils, y compris si on a chez soi quelques centimètres carrés de peinture, vous donnez des conseils pour... Oui, complètement. Moi, je suis très ouverte. Et c'est très important parce que sinon, on peut faire des erreurs, en fait, et ruiner certains décors. Donc, il vaut mieux être bien conseillé avant de toucher quoi que ce soit. Tout à fait. Donc, je le conseille d'ailleurs aussi au sein de la Fondation du patrimoine pour laquelle je suis consultante bénévole et au sein d'Urgence Patrimoine pour laquelle je suis déléguée bénévole. C'est ce que j'allais dire. Le patrimoine, pour vous, c'est une urgence ? Oui, c'est une urgence, oui, vraiment. On est à une époque où on sent que le patrimoine devient important. Il y a un retour vers les valeurs des gens. Je pense que c'est un besoin. Et donc, il est de plus en plus mis en avant. Mais d'un autre côté, c'est là qu'on se rend compte qu'il est grandement en péril. Et c'est pour cela peut-être qu'il y a des réactions pour le défendre. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en ce moment. De châteaux qui sont vendus. Oui, d'églises qu'on détruit. D'églises détruites. Oui. Je me suis battue des années contre la destruction de l'église Saint-Jacques d'Abbeville, qui malheureusement a fini... détruite, mais c'est vrai que c'est des choses qui touchent beaucoup. Et Urgence Patrimoine, c'est une association ? Alors voilà, Urgence Patrimoine, ça a été créé par Alexandra Sobzak, qui est d'Auxerre, qui l'avait créé localement au départ, et qui en fait a eu des appels de toute la France. Et qui est devenue nationale. Donc c'est devenu national, voilà, tout à fait. Donc on est vraiment sur un gros projet. Elle a demandé à plusieurs personnes qu'elle connaissait, qui étaient professionnelles du patrimoine ou passionnées.
du patrimoine, oui. De l'aider dans ce combat. Donc on commence à être un bon nombre de délégués, une petite quinzaine maintenant sur toute la France, et on l'aide dans ce combat, et par des conseils auprès des gens, donc on peut les amener aussi. Les gens ne savent pas forcément qu'il y a des subventions. Oui. Donc on peut les amener à aller consulter les DRAC, la Fondation du patrimoine, d'autres fondations. Et aussi, au sein d'Urgence Patrimoine, il y a une aide qui s'appelle Une pierre pour l'histoire, qui est en train d'être mise en place pour pouvoir aider financièrement les propriétaires qui ont des soucis de financement pour ces patrimoines en péril. Et vous êtes déléguée pour la région, pour le département ? Pour l'Indre-et-Loire, mais bon, je cours partout. Donc, région centre, ça me va comme pour la Fondation du patrimoine. Voilà. On imagine, on a bien senti la passion qui vous anime. Ah oui, c'est une vocation, vraiment. Oui. Vraiment, pas que mon métier, je pense que c'est le patrimoine, je suis tombée dedans. Voilà. Merci Sabine de Freitas d'être venue nous parler avec autant de passion et de chaleur de votre métier de restauratrice, de votre vocation de restauratrice de peinture. Et n'oubliez pas de retrouver les couleurs du patrimoine sur Radioactive, sur le 94.7 à Amboise et sur le 93 à Montlouis et aussi sur le RFL 101.